histoire de comprendre l'affaire Big Malion. Big Malion, c'est une agence d'événementiel fondée par des très proches de Jean-François Copé. Fin février, l'hebdomadaire Le Point fait des révélations concernant des surfacturations de l'UMP. En effet, la société Big Malion aurait facturé des prestations à des montants beaucoup plus élevés que la moyenne. Le 14 mai, Libération a fait de nouvelles révélations et a transformé cette affaire en une affaire de fausse facture. Big Malion aurait facturé à l'UMP des prestations qu'il n'aurait pas fournies. Le 26 mai, l'avocat de Big Malion réagit et annonce que, effectivement, des prestations auraient été fournies au candidat Nicolas Sarkozy, mais facturées à l'UMP. Tout ceci est confirmé par le directeur de cabinet de Jean-François Copé, Jérôme Lavrieux. Or, petit rappel de la loi, un candidat à une élection doit créer un compte de campagne qui doit être totalement distinct de celui de son parti. Le 27 mai, après la tenue d'un bureau politique à l'UMP, Jean-François Copé a démissionné.